Voyez, le chef du camp adverse, le visage du diable. C'est lui le mal, l'incarnation du mal. Il est le mal. Poutine, c'est le mal. Bien. L'OTAN, c'est le bien. Mais c'est vraiment ça, hein. Il faut bien que vous compreniez que dans l'espace médiatique actuel, la saturation de l'espace médiatique, le mal, c'est l'un, le bien, c'est l'autre. Quatrièmement, surtout, c'est une cause noble que nous défendons, pas des intérêts particuliers. Pas du tout. Les États-Unis ne défendent pas du tout leurs intérêts. L'OTAN ne défend pas du tout les intérêts souverains des États-Unis. Pas du tout de volonté expansionniste, pas du tout d'intérêt économique. La guerre en Irak, pour le droit de l'homme, ici c'est humanitaire, c'est bien connu, c'est pour la liberté. Vous comprenez, c'est une cause noble. Absolument pas d'intérêt financier, absolument pas d'intérêt économique, absolument pas d'intérêt politique. Non, pas du tout. Puis les Américains, ils sont pas comme ça. Oh, ça va pas, non?